soirée de gala en Seine-Saint-Denis. L'association Les Amis d'Haïti veut faire parvenir des aides aux Haïtiens qui souffrent en République dominicaine. Elle a sollicité l'appui de la communauté haïtienne en France pour organiser cet événement. C'est ainsi que de nombreuses personnalités de la société civile, associative, médiatique et musicale ont fait le déplacement pour faire corps avec M. Jassy Jean-Aubert, le président adjoint de cette association. Cette rencontre permet de récolter des dons en faveur des enfants haïtiens qui vivent dans des conditions horribles. On les voit dans des décharges, dans des détritus de la République dominicaine. Ils pourront, grâce à ces dons, espérer aller à l'école, recevoir une éducation et un encadrement. Depuis que le gouvernement de la République dominicaine a adopté une loi concernant l'immigration visant en particulier la communauté haïtienne vivant là-bas, les conditions de vie de ces derniers ne cessent de se détériorer. Malgré de nombreuses protestations et d'appels à la raison lancés au niveau international sur cette affaire, rien n'a changé. Partout dans le monde, la diaspora haïtienne est sollicitée pour secourir leurs compatriotes en danger. C'est l'animatrice de la Radio Sud Internationale, Naomi Jean-Baptiste, qui a pris les rênes de la soirée, présentant son déroulement au public présent dans cette grande salle. Je vous souhaite tous les bienvenus dans la soirée de charité en faveur des Haïtiens qui souffrent à Saint-Domingue. Nous aurons un débat, nous aurons aussi le président de l'association Les Amis d'Haïti qui va nous donner un peu plus de renseignements sur ce problème. Je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis Naomi Jean-Baptiste, chargée de communication de l'association Les Amis d'Haïti. Alors, amusez-vous et surtout, n'oubliez pas que c'est une soirée de charité. Je ne dirai pas plus, je vais vous présenter le président de l'association Les Amis d'Haïti, M. Jassy Robert. M. Jassy Robert, avancez s'il vous plaît, côté au côté. Il va vous expliquer en quelques mots c'est quoi l'association Les Amis d'Haïti et que fait cette association. Bonsoir, monsieur Rouet. Bonsoir, mademoiselle ou madame Naomi Jean-Baptiste. Je suis Jassy Jean-Aubert, mais je ne suis pas le président exactement. Je suis le vice-président de l'association Les Amis d'Haïti et Los Amigos de Haïti en République Dominicaine. Alors, notre association est ici en France, on est association. Et en République Dominicaine, on est passé ONG. On est passé comme ONG. Alors, notre projet, on a un projet pour les enfants et les Haïtiens qui vivent en République Dominicaine. Parce que la vie des enfants en République Dominicaine, ce n'est pas trop facile. Et alors que le but de notre soirée, c'est pour aider les jeunes haïtiennes en République Dominicaine qui travaillent, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas, qui n'ont pas de moyens pour aller à l'école, ni pour apprendre quelque chose pour demain. Alors là, nous faisons notre soirée juste pour récolter des fonds, pour pouvoir louer une maison pour encadrer les enfants d'Haïti. Alors c'est le but de notre soirée. Merci. Merci beaucoup, M. Jassy Jean-Robert. Je vais vous présenter les hôtesses et les serveuses. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, DJ, vous faites appel à elle. Myrta, Kimberly, avancez, Cindy, Catherine, plus vite les filles, plus vite. Je sais que vous êtes belles, vous n'avez pas envie de tomber. Mais avancez, Catherine. Un petit applaudissement, s'il vous plaît. Thank you.
Vous vous appelez comment? Oui. Pardon? Kimberly. Vous avez entendu? Non. Oui. Vous vous appelez comment? Kimberly. Là, nous t'entendons. C'est bien Kimberly. Et vous, vous appelez comment? Myanta. Vous avez entendu? Oui. Non, non. Myanta, Mimi. Mimi pour les intimes. Votre prénom, s'il vous plaît. Cindy. Bonjour, Cindy. C'est bon. Vous avez entendu, elle s'appelle Cindy. Et vous? Catherine. Catherine. Les serveuses sont, les hôtesses sont à votre disposition. Et tout à l'heure, elles vont passer avec une enveloppe. Quel que soit ce que vous avez, faites-le avec conscience, je dirais. Merci beaucoup, les hôtesses. Nous avons un programme très alléchant. Tout à l'heure, dans quelques instants, nous aurons les artistes qui vont vous donner un spectacle de feu. Il y aura aussi de la danse folklorique haïtienne de Paris. Il y aura aussi un défilé de mode avec Café Lacaille. Danse folklorique, défilé de mode de Café Lacaille et Lacaille Design, projection vidéo montrant la vie des Haïtiens, des enfants haïtiens, dans les décharges publiques de Saint-Domingue. Tour à tour, les artistes viennent performer devant le public, parler d'Haïti et surtout la nécessité de venir en aide à ceux qui en ont vraiment besoin. Bookman, votre serviteur, responsable de kamaiti.com. Exactement. Monsieur Bookman, avancez s'il vous plaît. Avancez, oui, c'est bien vous. Il n'y a pas de Bookman dans la salle. Il y a un autre Bookman dans la salle? Non, il y a un seul. C'est vous. Qui êtes-vous, monsieur Bookman? Ben, je suis Bookman, je dirige le site internet kamaiti.com. Je suis là pour vous filmer et vous photographier. Donc la facture, c'est à la fin. J'espère que vous avez beaucoup d'argent parce que effectivement, les Haïtiens en ont vraiment besoin. J'espère que tout le monde va faire le geste. Quoi. Moi, mon geste, c'est déjà de pouvoir donner en tout cas le résultat de cette manifestation en visuel. Donc c'est déjà quelque chose, au moins quelque... Je pense, j'espère en tout cas que les Haïtiens à travers le monde pourront voir que nous nous organisons à Paris pour venir en aide à ces Haïtiens qui en ont besoin vraiment. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur Bookman. Ne partez pas. Monsieur Bookman de la télévision Cam Haïti, Cam Afrique. Comment faire pour vous joindre? Parce que nous voyons qu'il y a des beaux jeunes hommes et des belles jeunes filles bien habillées. Si vous les faites une belle photo, comment elles vont faire pour vous joindre? Est-ce que vous avez un site ou une adresse Facebook? Alors, bon, comme je l'ai dit au préalable, il y a un site internet qui s'appelle kamaiti.com, donc c'est ce qu'on représente. Donc sinon, nous faisons bien entendu des prestations au niveau de la vidéo pour n'importe quel événement. Nous faisons aussi de la photographie pour toutes sortes d'événements. Donc il nous suffit de nous appeler sur mon téléphone au 06 61 77 61 97 ou en tout cas pour ceux qui voudraient bénéficier de tout ça, donc je peux leur donner une carte ou quoi que ce soit. Donc il ne s'agissait pas en tout cas de faire de la promotion pour Cam Haïti, donc il s'agissait d'aider, de venir en aide aux Haïtiens. Ça nous touche tous ce qui se passe là-bas, c'est surtout pour ça qu'on est là, quoi. Donc il ne faut pas l'oublier. Voilà, merci. Concernant la Cam Haïti, nous avons déjà réalisé un document sur la marche qui avait été faite à Paris, à Place des Innocents, je crois. J'imagine que beaucoup de gens ont déjà vu. Donc, comme le disait mon prédécesseur tout à l'heure, il y aura d'autres manifestations. J'espère qu'à ce moment-là, tous les Haïtiens, en tout cas ceux qui sont là, pourront au moins venir participer, apporter leur énergie pour soutenir les Haïtiens.
Et il y a d'autres Haïtiens aussi qui s'organisent à travers le monde, c'est-à-dire à New York ou même au Canada, qui s'organisent pour que l'argent qu'ils récoltent puisse parvenir aux entreprises, aux sociétés haïtiennes qui apportent leur soutien direct sur le terrain aux Haïtiens qui en ont besoin. Donc je pense que ce serait une très bonne chose de se mettre en contact avec ces entreprises, hein, au niveau de l'alimentation, au niveau du logement, et aussi au niveau des fournitures scolaires pour les enfants. Déjà, ce serait une très bonne chose. Et bien entendu, il faut toujours s'adresser à l'association qui organise ce soir, bien entendu à notre hôte, Naomi Jean-Baptiste. Et n'oubliez pas que les Haïtiens ont vraiment, vraiment besoin de nous. En ce moment, il y a les élections qui s'organisent. Les choses ne sont pas faciles, d'autant plus on nous sollicite encore. Donc, apporter votre soutien, c'est mettre la main dans la poche. C'est ce que les Haïtiens en vérité nous attendent de nous. Mettre la main dans la poche, ça ne veut pas dire qu'on est un puits d'argent, mais parce que ces Haïtiens-là ne comptent vraiment que sur nous. Et le gouvernement fait ce qu'il peut, mais nous devons être là vraiment pour les aider. Merci, merci beaucoup, Monsieur Boukman, de la télévision Kamaïti. Les agriculteurs, les paysans. C'est très important pour nous aujourd'hui de développer l'économie du pays haïtien, parce que Haïti a vraiment besoin de nous. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est créer des entreprises en Haïti pour aider le peuple, parce que nous avons des terres qui sont très cultivables, nous avons des produits aussi qui sont également très bons, des terroirs exceptionnels. Donc aujourd'hui, on représente la marque Café Lacaille par Wendy, Pernice Café Fond, et Mademoiselle Bintou qui représente la marque Couleur Café en hommage en Haïti. Je vous souhaite une très bonne soirée, merci à vous. Applaudissez. N'ayez pas peur d'applaudir. Applaudissez, messieurs et dames. Café Lacaille, couleur café. Didier, musique, il faut que je donne le bon exemple, bien sûr. Je ne veux pas vous dire de danser, et tandis que moi, je reste là, je ne danse pas. Excusez-moi, le monsieur qui va au fond là, DJ Trio Mix, venez s'il vous plaît, venez, avancez. Applaudissez s'il vous plaît, applaudissez, merci. Augmentez la musique. Je donne le bon exemple, venez. Je vais vous présenter un homme qui est très important dans la communauté. Il fait un travail incroyable. Comme on dit, tout homme est important, mais il faut que je vous le présente. C'est Monsieur Audenor. Avancez s'il vous plaît, Monsieur Audenor. Monsieur Audenor, avancez s'il vous plaît. Monsieur Audenor a soif, peut-être qu'il est stressé, je ne sais pas. Pourtant, je sais qu'il n'a pas peur du micro. Monsieur Audenor, applaudissez, peut-être qu'il va venir plus vite. Applaudissez, Monsieur Audenor, s'il vous plaît.
la lumière, c'est les top danser, vous nous êtes une lumière, mais Kounia, c'est monsieur Odon qui pourrait le parler. Voilà, avancez monsieur Odon, avancez, applaudissez s'il vous plaît monsieur Odon. Bon, merci d'avoir mis. Excuse-moi, c'était pas le stress des... J'étais juste en train de rechercher quelque chose pour me rafraîchir un peu au moment où tu m'as appelé, donc je ne pourrais pas venir prendre la parole comme ça. Bon, en fait, je me présente rapidement. Je suis au Nord, donc je représente ici l'une des grandes plateformes de la communauté haïtienne qui travaille avec les Haïtiens. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la plateforme des associations franco-haïtiennes, donc la PAFA. Donc je suis le secrétaire général et chargé des relations publiques de la PAFA, de la PAFA qui travaille et avec les migrants haïtiens qui essaient de les accompagner pour tout ce qui a trait à la question de l'insertion, soit sur l'insertion de façon générale et l'insertion aussi sur le marché du travail et qui essaye aussi de mettre sur pied ici en France un réseau permettant aux acteurs qui agissent pour Haïti de pouvoir créer ce que nous appelons une sorte de synergie pour que les actions sur Haïti soient de plus en plus efficaces. Et on travaille aussi avec les associations qui apportent des projets, c'est-à-dire que soit dans le domaine de l'éducation, soit dans le domaine de la culture, soit dans le domaine du développement local, soit dans le domaine des droits de l'homme. Donc cette plateforme des associations franco-haïtiennes, la PAFA, essaie de former ces associations, former les présidents des associations et... Il y a un groupe qui s'appelle GRAP au sein de la PAFA qui travaille avec les associations porteurs de projets. Donc en 2011-2012, on avait organisé une formation en matière de gestion et d'élaboration de projets. Donc voilà en gros, donc je représente cette plateforme. Mais à côté, comme cette plateforme, à savoir PAFA, regroupe plus de 50 associations. Moi, je suis le président d'une association qui s'appelle Éponge, qui c'est Espace de protection et d'orientation nouvelle des jeunes, qui fait partie de la PAFA. Et en fait, ma présence ici, comme étant membre du conseil d'administration et membre du bureau de la PAFA, c'est pas juste pour présenter ou représenter la PAFA en tant que plateforme associative, mais de préférence, c'est une cause qui nous interpelle tous et comme beaucoup d'entre nous venons de le dire, parler de cette situation et parler d'Haïti, qui c'est une île, l'île d'Haïti qui est composée de la République d'Haïti et la République dominicaine, alors que ces deux îles qui devraient être cette république qui devrait être deux républiques frères sont plutôt deux républiques ennemies. Donc, d'un côté, c'est comme le soleil, de l'autre, c'est comme... D'un côté, c'est comme le jour, de l'autre, c'est comme la nuit. Et nous avons travaillé avec beaucoup de regroupements d'associations. Il y a une manifestation qui a été organisée à Paris et que, Naomi, tu étais aussi dans cette manifestation. Et donc, je ne me rappelle pas exactement, c'était le 12, oui, c'était le 12 juillet. Donc, moi, je pense que ces genres d'actions, c'est des actions qui permettent de donner une visibilité à la communauté haïtienne, de montrer que la communauté haïtienne n'est pas une communauté passive. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que soit que les Haïtiens, il n'y a pas d'unité, non. Moi, pour moi, le peuple haïtien, c'est un peuple uni. Et en fonction des moyens, et généralement dans les médias ici en France et dans les autres pays aussi, même en Amérique du Nord, quand on présente Haïti, on présente Haïti comme étant un pays pauvre, mais c'est ce qui est un peu, pas tout à fait, c'est tout à fait choquant, je le dis, parce que il faut savoir ici, j'ai écouté un journaliste français et sur le plateau d'une
d'une chaîne de télévision très écoutée, Savoir France 2. À un certain moment, ils disent qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'au temps de la colonisation, Haïti avait ses représentants au sein de l'Assemblée nationale, donc le Parlement français. Et c'est important aussi de savoir qu'en France, il y avait cette question de liberté et cette question d'égalité, mais le concept de fraternité n'existait pas encore en France à l'époque. Et c'était un député haïtien, donc à l'époque considéré comme étant député français aussi, mais français d'outre-mer comme on les appelle aujourd'hui, qui a apporté à l'Assemblée le concept de fraternité. C'est-à-dire que je ne refais pas l'histoire, ni un cours d'histoire, mais c'est important de connaître ces notions. C'est-à-dire qu'on présente Haïti comme étant un pays pauvre, mais pauvre dans quel sens? Parce que c'est un peuple qui est riche en culture. Et à l'heure actuelle, il faut savoir que dans beaucoup de grandes institutions internationales, la francophonie, il y a un haïtien en tête, c'est-à-dire que Michael Jean, que vous connaissez sans doute. Et dans l'Académie française, il y a un haïtien, c'est Danny Laferrière. Et il y a aussi des haïtiens dans beaucoup d'autres, des universités au Canada, des universités aux États-Unis. Mais l'important, c'est de connaître, c'est de savoir aussi qu'il y a une autre forme de pression qui empêche aux Haïtiens d'agir. Donc cette pression, je ne vais pas accuser une communauté que nous nommons une communauté internationale, mais c'est de savoir d'un côté aussi, je vais terminer, désolé, c'est de savoir aussi de notre côté, on ne peut pas se contenter de faire des manifestations seulement, mais il faut qu'il y ait un groupe de réflexion et qui puisse voir les autorités concernées, soit le groupe de parlementaires en France qu'on appelle groupe d'amis d'Haïti, pour qu'on puisse élargir la question et faire pression soit sur la communauté internationale qui a pouvoir de décision, pour que cette question des Haïtiens puisse être une question qui ne soit pas défendue que par les Haïtiens, mais aussi par d'autres nations ou d'autres pays qu'on appelle les amis d'Haïti. Donc, comme Naomi vient de me signaler que je n'ai pas beaucoup de temps, ces sortes de manifestations, c'est des manifestations durables, on doit les poursuivre, mais il faut continuer aussi avec des réflexions pour pouvoir faire pression sur le gouvernement dominicain et ramener aussi d'autres peuples à défendre cette cause. Merci. Merci beaucoup, M. Edouard, de l'association de... C'est quoi, c'est une association? En fait, c'est la PAFA. La PAFA. Applaudissez, s'il vous plaît. Nous avons aussi l'association AZAM, représentée par M. Charles. M. Charles, avancez, s'il vous plaît. Y a-t-il une autre association, à part de Cousin Akai, PAFA, il y a une autre association dans la salle? D'accord. Bonsoir, je m'appelle Charles Jean-Matson. Juste avant de commencer, je tiens à remercier l'association des Amis d'Haïti d'avoir organisé cette splendide soirée, dans laquelle vous êtes vraiment beau. Donc, je présente l'association AZAM, c'est-à-dire c'est une association qui œuvre à la fois dans l'humanitaire, dans le social, mais aussi dans le culturel. Et il est représenté par la loi 1901, comme vous connaissez sans doute. Donc, c'est une association qui est localisée à Boulogne, en cours, et nous travaillons sur l'aspect social, culturel. Donc, nous avons organisé des choses à Paris, des conférences sur Haïti, on œuvre aussi dans le social de la mesure où on essaie de scolariser les enfants comme beaucoup des associations le font. Nous organisons aussi des sorties et nous avons organisé l'année dernière des sorties de mer, des sorties de conférences, tout ça, et des sorties culturelles à travers Paris. Aujourd'hui, je suis venu juste pour vous parler d'une journée de mer qu'on organise le 15 ce mois-ci, dans laquelle vous êtes conviés à participer. Le prix c'est pas cher, c'est 25 €. On y va à Dorville. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter Inès, Jean, moi et Jean-Baptiste.
Donc je compte sur votre collaboration et je suis pas trop bavard étant que quelqu'un qui parle beaucoup. Donc je tiens à vous remercier et pour votre participation et aussi je vous convie à rester soudés dans cet élan de fraternité, de collaboration, parce que cette communauté vraiment a besoin de ça, vraiment, parce que si on trouve des associations qui sont ça et là, nous avons besoin d'un grand rassemblement, donc c'est-à-dire venir en aide aux enfants d'Haïti, aux jeunes, aux vieillards d'Haïti, c'est quelque chose d'assez intéressant, assez important. Donc je vous remercie de votre attention et bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, M. Charles, de l'association AZAM. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié le film et le film vous a expliqué un peu plus sur la situation des Haïtiens à Saint-Domingue. J'appelle M. Jacques-Cy Jean-Robert qui va nous donner un peu plus d'explications sur le tournage de ce film. M. Jacques-Cy Jean-Robert, avancez s'il vous plaît. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que je suis toujours en tournage. D'accord. Alors, comme vous voyez, ce sont les enfants d'Haïti. Il y a quelques... Sur 200 enfants, il y a au moins de 15 à 20 petits dominicains et dominicaines qui travaillent dans les décharges pour ramasser des bouteilles, pour aller les vendre, pour pouvoir manger. Parfois, les enfants mangent les ordures, des petits trucs qu'ils trouvent dans les ordures pour manger. Alors que c'est pour ça que notre but, c'est juste pour aller aider, sauver ces enfants-là, pour faire quelque chose pour eux. Alors c'est tout. Merci. Oui, je suis là, M. Robert. Un applaudissement quand même pour M. Robert, il le mérite pour le travail qu'il fait à Saint-Domingue. Je vous présente l'association Pêche. Pêche, c'est promouvoir ensemble la culture haïtienne. C'est une association qui met tout simplement, le nom le dit, qui met en avant la culture haïtienne à travers la danse folklorique haïtienne, à travers les chants, à travers la gastronomie haïtienne, l'artisanat. Nous allons danser du soukous, ça vient de l'Afrique, comme vous le savez, et on sait très bien qu'on vient tous d'Afrique. Alors, je vous demande quand même d'applaudir parce que les danseuses sont un peu stressées. Merci beaucoup. Moi je sais pas faire.
Samuel Ketchum, s'il vous plaît. Encore plus fort. Merci, merci beaucoup. Nous allons continuer parce qu'il y a les artistes qui sont là et ils ont apporté quelque chose de formidable pour vous. Il y a l'association Pêche ni Naomi Jean-Baptiste. Nous allons terminer avec un titre, c'est Cri d'espoir pour Haïti. C'est un texte qui a été écrit par ces belles jeunes filles de l'association Pêche, parlant sur la situation d'Haïti et encourageant la diaspora haïtienne a fait le nécessaire pour que le pays puisse changer. DJ, s'il vous plaît, Naomi Jean-Baptiste, officielle.
avec l'association Pêche de France pour promouvoir ensemble la culture haïtienne avec Ponta comme danseuse, Cindy aussi comme danseuse et chanteuse, Catherine comme danseuse. Merci beaucoup, allez-y les filles. Après une animation de qualité et un repas digne de la tradition haïtienne et quelques pas de danse, un nouveau pas vient encore d'être franchi pour soutenir les Haïtiens en République dominicaine.